Moi à la batterie, c'est Guillaume. Inigo au chant. Nico à la basse. Et Benoît à la guitare. Voilà, c'est Seed from the Geisha, c'est une aventure qui dure depuis quelques temps. Où, dans le départ, Seed from the Geisha, c'était à 3. Guillaume l'a rencontré à Sainte-Marthe en enregistrant notre première maquette, et on a tout de suite vu que non seulement on avait affaire à un bon musicien, mais un mec qui savait tourner les boutons. Et en plus de ça, après on a rencontré Tonio qui avait déjà joué avec Inigo, et puis l'alchimie s'est fait assez rapidement et on avait tous envie de continuer dans la même situation, enfin la même direction. Moi je suis innocent. Vas-y, assume. C'est le problème de geisha, parce que la geisha, dans la conception que peut s'en faire l'Occident, c'est un petit peu la sensualité, voire même un peu plus l'érotisme, la sensualité, mais à côté de ça, on oublie un petit peu toute la dimension qu'elle pouvait avoir artistique, parce que c'était des femmes qui maîtrisaient la conversation, la poésie, la musique, la cérémonie du thé, enfin tout ce qui pouvait aller justement à l'inverse d'une image simplement sensuelle. On n'a rien à voir avec le Japon quand même, hein. Ça n'a rien à voir avec le Japon. On fait pas du virtual chi. On fait pas du mandarin. Si, t'aimes bien manger c'est japonais, non? Ouais, bon, on aime bien les sushis. Est-ce que ça suffit pour justifier le mandarin? Non, je suis pas sûr. Non, on ne justifiera jamais. On a un truc qui sonne avec une image un peu féminine comme Queens of the Stone Age, c'est ce qui nous faisait triper à l'époque. Un nom à rallonge. On a tous des influences super différentes dans le groupe. Mais on se retrouve quand même. On se retrouve tous de toute façon dans le son qu'on fait. Même si on écoute, non, on a quand même une bonne base, mais il y en a qui sont un peu plus. Moi je suis moins vénère quand même. Oui, c'est plus. Ça fallait bien, ouais, toutes les influences maintenant revendiquées. Il y a. Enfin, comme on l'affiche sur le MySpace, peut-être Underwolf, après. Price. Chacun apporte sa petite touche, quoi. Voilà, pour certains, on se rejoint quand même sur certains styles qui sont bien en commun avec la musique qu'on essaie de réaliser, c'est-à-dire toujours un peu une petite dimension progressive. On peut se retrouver quand même sur du doom, sur des choses comme ça. Donc on prend un petit peu de partout, même si c'est toujours un petit peu compliqué d'arriver à faire un rapprochement avec des groupes déjà existants. Le processus au niveau de la musique, on a les fans du groupe qui écrivent souvent continuellement des riffs. Donc on se retrouve avec Benoît sur des riffs qu'on a composés avant. On essaie de monter quelque chose qui est cohérent. Après, on va se retrouver avec Inigo pour faire des paroles. Enfin, le processus se fait assez naturellement de toute façon. Guillaume est assez mis à contribution parce qu'on essaie toujours d'avoir une conception rythmique un petit peu différente de ce qu'on peut avoir. C'est-à-dire que c'est quand même assez important pour nous de rechercher à ce niveau-là, d'avoir des recherches dans la structure des morceaux et aussi des conceptions sur nos rythmes. Et Guillaume est mis à contribution pour pouvoir finaliser certains riffs, etc. Et du coup, on a la magie de ses doigts et de ses oreilles. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Guillaume travaille à Sainte-Marthe, au studio, et donc en fait, on maquette énormément. Donc tout ce qu'on commence à composer, on le maquette, c'est très réfléchi, ça évolue énormément. Un élément très important aussi, c'est que Jack Daniel, c'est le cinquième membre. Le sixième membre. Je parle beaucoup de références au sexe, faut le dire. Oui, tu l'assumes. Ce qui rejoint un peu le côté geisha, mais on essaie de. J'essaie d'en parler d'une manière qui n'est pas forcément évidente, qui n'est pas forcément si directe. On essaie de se faire un peu. J'essaie. On essaye de se faire un peu plus chier sur les paroles que parler de sentiments. Non, enfin. On utilisait beaucoup d'images. Voilà, beaucoup d'images. Peut-être des trucs des fois plus crus. Ça dépend. L'objectif, c'est de continuer à se faire plaisir, voilà. Et puis faire un maximum de dates, maximum de scènes, c'est clair. Progresser, avoir de la crédibilité, commencer à se faire connaître. Et puis sentir que le groupe devient de plus en plus soudé et efficace au fur et à mesure des dates. Et rien que ça, c'est un objectif à chaque fois. Chaque concert, c'est un nouvel objectif de faire une bonne presta et surtout de s'en sortir renforcé. Yeah!
plaisir qu'on vous voit sur scène la prochaine fois et essayez de venir nombreux parce qu'on essaie de donner le meilleur à chaque fois. C'est le premier concert de la soirée où je ne sors pas fumer une cigarette pendant le groupe.